Et on est parti pour essayer de masterer le jeu ce soir. Qui sait si on va en être capable là. Ce serait bien. Donc on avait fait le chapitre 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. On l'avait terminé, mais il faut le recommencer pour les deux mauvaises fins supplémentaires. Ensuite, on passera au chapitre 6, 7, chapitre 8. Qui sait ? En tout cas, on va speeder. Enfin, on va essayer. Hop, on récupère tout ça. On se rend compte qu'on peut pas. Donc on va voir ailleurs. En fait, pas ici parce que ça sert à rien. Je sais qu'il faut pas aller là, qu'il faut aller là. Enfin, qu'il faut aller tout sauf ici. Pourtant, j'y vais. Ça, c'est bien, on l'a eu. Alors on va s'apercevoir que... Bah c'est... C'est fermé. Ici il y a des talismans enlevés. Non, il fallait que je m'arrête dans le couloir parce qu'il y avait un fantôme. Quoique non, le fantôme, on n'a pas besoin de l'aider en fait. Parce qu'on est d'accord que la clé qu'on a eue, elle n'ouvre pas ça. Non, ici ça ne s'ouvre pas. Exactement. La vieille clé s'est fait pour ouvrir autre chose. J'ai fait le truc avant-hier, mais c'est déjà loin dans ma tête. Il a pas fait pour ouvrir ça, c'est sûr. Exactement. Par là. Je suis pas allé en bas en fait. J'ai oublié. Fallait ouvrir la art room. Il y a un bot à virer.
Voilà. Le couteau à palette. Qui est quelque part. Ah, il était là. Retourne au piano. Ah non, on retourne au piano ou au cabinet en premier. Ici en premier. Direction les toilettes des filles. Ce serait bien qu'on perde pas trop de temps comme ça, je le finis en une soirée, le Masterhead. La semaine prochaine, on peut commencer le dating sim d'Evangelion. Ce serait plutôt pas mal. Normalement, non, c'est pas mon tic-pic. Il me vient tout d'un coup l'idée de faire une sauvegarde. Parce que je ne sais plus ce que je dois faire parce que j'ai la mémoire courte. On va aller chercher les guides. Hein. Voilà. Il y a un objet sur le sol qui brille. Mais non, il n'y a rien. C'est la mauvaise fin. Y a rien qui brille. On n'a rien vu. À moins que ce soit là devant. Je perds déjà du temps. Il n'y a rien. Est-ce que j'aurais manqué de faire quelque chose? Normalement, non. Ben, il est censé y avoir un objet.
stupide quand même. Pourquoi est-ce que j'ai pas l'objet qui apparaît ? Ah, il faut que j'aille. Oui. Une fois au sud, une fois à l'est. Où j'aille ici, c'est ici qu'il y a un objet qui brille. Ah non, l'est. L'est, c'est là. C'était comme ça que je me suis fait avoir dans ma partie, aussi. Parce que là, justement, j'ai pas fouillé. Et ensuite, tu vas là. Ouais, ok, je vois. Je vois où je me suis fait avoir. Comment j'ai perdu du temps. Je peux aller là maintenant. C'est ça. Eh oui, Taguchi. Normalement, on est censé les retrouver. Ah non, Taguchi n'est pas là. Y'a ça. C'est dans la place 5, là. L'espèce de fil de fer. Oh, la bobine. La bobine. Non, on va chercher le fil de fer. Au moins la musique est là. Jusqu'à ce qu'elle plante. Mais c'est vrai qu'il y a un trou aussi. J'avais oublié. Pour prendre l'autre côté. Non, 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 non. J'ai cru entendre des voix. Mais c'est pas le moment d'écouter Mayu. Enfin, si, il aurait fallu que tu l'écoutes. Maintenant, retourne faire la pêche. C'était là. Ah, c'était ici. Allez, pêche, pêche. Ça, c'est fait.
contre-Igor la suite des événements. Non, il faut aller là, je crois, ou là pour trouver de l'huile. Ah non, il y a le logbook avant, c'est vrai. Logbook, il est où déjà? Je vais regarder le guide. Là, je pense qu'on va utiliser le guide. Girl room. Donc c'est pas là. Pas là non plus. Là. Dans les toilettes, girl room. Ah oui, c'est pas Dieu. Tout en haut. Hop, maintenant on redescend. On va en 3A. On examine le podium. Ensuite, référence room, bibliothèque. On y arrive rapidement à la fin. On a le code. On a le machin. On va vers la piscine, sauf que eh ben, on n'a pas ce qu'il faut, donc on va casser la statue, parce que pourquoi pas, et obtenir la clé. Heureusement qu'on peut accélérer ça. On prendrait bien son temps. Il faut déclencher ça pour aller chercher la lampe. Voilà. Je le connaissais mieux, j'aurais pas perdu autant de temps. Je pense qu'on aurait mis moitié moins de temps. La clé en cuir.
on n'a pas envie. Et là, on va faire une mauvaise fin. La mauvaise fin, c'est Light the Lamp. Du coup, non, c'est pas Light the Lamp. Si, c'est Light the Lamp. Ah mais non, c'est à partir du second étage, c'est pas ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais Leave a Candle? Bah, on peut bien me donner la bonne fin en fait. Bizarre, j'ai pas eu de scène. Ouais, c'est plus loin en fait. C'est plus loin. Ils me disent de faire une sauvegarde ici alors dans le vide. Ça arrive à rien. D'accord, avec les bougies, en fait, t'avais la fin du Darkening. Du coup, en fait, ça sert à rien de faire une save là, il vaut mieux la faire après. Mais c'est ça, je suis regardé beaucoup trop tôt. Je suis regardé pour la mauvaise fin numéro 5 en fait. Parce qu'il n'a aucun sens. Là, il faudra faire look back. Et oui, le mieux c'est de faire une save ici. J'ai du mal à me le dire.
T'es en train de me dire qu'on peut la faire plus tard encore? Là, on a les scènes en plus. Seconde floor, il me semble. C'est ça, seconde floor. Du coup, je peux save ici en vrai. Du coup, c'est ici que je dois faire l'Idle Lamp. C'est ça. Bien. Il était temps. Premier achievement de la soirée. Ailleurs, parce qu'on a été mis en feu. Le 30e. Bien, c'est une très bonne chose de fait. On recharge la save. Et je dois faire choisir autre chose. Tout mène à une mauvaise fin. Elle s'est faite cuire. C'est la mauvaise fin de la cuisson. C'est le bon goût, comme on dirait. Le fameux bon goût. Boil. C'est ça. 31. T'as bien sauvegardé. Ouais, 31. Bien, ce chapitre s'est fait. Si je ne me trompe pas. On a fait le chapitre le plus long. Le skip, le skip, le skip, la fête du skip. Meilleur, le marais. Le regard qu'elle a eu. La vite qu'ils a mis. Tous les souvenirs reviennent.
peut déjà faire une mauvaise fin, j'avais oublié. Je vais essayer de considérer d'autres options. Ah, c'était ça. On recharge. On va sprinter vers la porte. Voilà. Elle s'est faite défoncer. C'est le cas de le dire. Par un marteau. Hammer. Bah oui, c'est le cas de le dire. 32. On va essayer de considérer les options qu'on a. Du coup, ce truc-là est un brûleur. Et ce truc-là est à ramasser dans le décor. Oui, j'ai le Darkening qui monte en fait. Un cadavre. Voir si ça donne la même fin. Parce que je cherche à avoir un game over quand même. Je vais l'examiner à mort. Littéralement. Voilà, un game over. Du coup, on a une CG qu'on n'avait pas et une musique qu'on n'avait pas. Ça, c'est très bien. Non, pas option. Continue. Il faut continuer le jeu. Fonctionne pas. Voilà, elle s'est enfuie. Et maintenant, on va fouiller à la recherche de cadavres. Ça m'étonnerait que je puisse revenir là. C'est ça, je ne dois pas y aller. Ça, c'est ce qui va être le plus long, on va fouiller de tout. On recherche des potentiels cadavres. Thank you.
Parce que mon Darkening augmente en fait. Et je viens de me rendre compte. Mon Darkening augmente tout seul. Faut que je me presse. Augmente à chaque fois que Yuka crie. D'abord, je vais fouiller tout ça. Parce que je sais que ça ne sert à rien, je crois, en fait, tout cet étage. À part que Yuka gueule. Elle est pas montée cette fois. Elle dit juste qu'elle n'a pas envie d'aller là-haut. Non, ça monte plus. Est-ce qu'un Yoshikazu gueule? Et ça monte vite en plus. Ça monte 5 par 5. Oula, ça montait plus que 5 par 5. Ce chapitre est très bien pour se choper un game over. La musique. On descend. Je vais pas avoir le temps de fouiller toutes les salles. Il va falloir recharger. C'est moi, il n'y a strictement aucun cadavre dans aucune des salles. C'est moi ou est-ce que le jeu est en train de me bait? Je crois qu'il est en train de me bait. Le fameux bait. Je vais mourir de Darkening, ou au moins je vais recharger pour qu'on y voie quelque chose. En fait, il n'y a vraiment rien. Ça, il n'y a pas un seul cadavre. Le bait jusqu'au bout, le jeu. Je crois que c'est pile quand on part en plus que l'event se déclenche. Ou pas.
Visiblement non. Ouais, c'est là qu'il se produit. Pour le bienfait de notre écran et de notre vision, je vais recharger la save et me rendre directement ici. Au moins on y verra quelque chose. Allez, presse-toi. Déjà qu'on n'aime pas forcément jouer avec Lucas, alors c'est pour jouer longtemps. Donc en vrai, il n'y avait aucun cadavre. À part dans le lab. Pour aller qu'avec ça, Chico, dans la piscine des cadavres. Parce qu'après c'est juste des dialogues et qu'on aura tout. Ah, je voulais pas aller là tout de suite. Je voulais fouiller avant. Heureusement ici c'est des écrans fixes. C'est juste le mur. Ce fichu mur. Sacré mur. J'imagine que la porte est hors écran. Toujours être utile. Tourne-y, t'as pas fouillé. Et la pourrie. C'est scripté. J'espère qu'il fallait pas d'abord entrer puis ramasser la pièce de bois. Est-ce que je l'ai d'ailleurs la pièce de bois ? Non. On va pas tout de suite entrer dans la Death Room. Je garde la Death Room pour après parce que c'est là où on voit Sachiko normalement. Si je me trompe pas. Si je me trompe, bah tant pis pour moi. De toute façon, j'ai une save. Oh, je l'ai passé par erreur. Un réflexe. Là, je ne le passerai pas. Voilà, je ne l'ai pas passé. Je n'ai pas fait l'erreur. On enchaîne les plans fixes. Les plans fixes, c'est vide surtout. Vide, c'est le mot.
voilà. Un petit collectible dégueulasse. Désolé, Cobal. C'est ça, le petit collectible dégueulasse. Ce qu'on veut, les collectibles. Non mais si, si, quitte ça, il n'y a plus rien à voir ici. Il n'y a rien du tout. On marquera que la musique, elle a décidé de partir encore une fois. D'abord fouiller le fond, comme ça ce sera fait. Je sais même plus s'il y a quelque chose au fond. On va voir. Il y a un cadavre. J'ai bien fait. Je crois que les derniers qui me manquent sont là, mais le jeu va dire « Ah non, non, mais t'as pas le droit d'aller là. » Et ça, la porte, elle est fermée. Et on ne doit pas y rester longtemps. Le jeu va dire « Non. » Voilà. Le jeu a dit « Non. » Du coup, j'espère que le fait que j'ai pas examiné la dissection room ne va pas ruiner. Normalement, je peux y aller maintenant. Je veux y aller. Je ne peux pas y aller. J'espère que ça s'est bien passé ton stream tout à l'heure. Je sais pas à quoi tu jouais. En tout cas, j'espère que c'était bien. La musique intense, c'est ça. Du coup, j'ai pas pu fouiller la Death Room. Est-ce que je peux y retourner? Je peux y retourner. Et je peux la fouiller. Et ça va, bah tant mieux. Là. Valorant et Dead by Daylight pour. D'accord. J'espère que tu es de bonne game. Y a rien dans les pots. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait que ces deux-là. Examiner. C'est ça. Y a rien dans les seaux. Bah, du coup, maintenant, piscine de cadavres. Et on aura normalement tous les name tags du chapitre. Je pourrais avoir un autre achievement pour mon ego. Voilà. Je crois pas qu'il y ait tous les cadavres à examiner. Le seau n'est pas un cadavre, au moins on le saura. Je crois qu'il n'y a que ceux qui sont là en surface. Enfin, sur le sol. Pas ceux qui sont dans la piscine. On va voir. Ah, la musique. La musique a décidé de partir en retraite. Non mais les problèmes de musique avec cet émulateur sur ce jeu, c'est... Ah, c'est quelque chose. La musique qui part, qui revient. Sans prévenir. Ah, finalement, il y a peut-être tous les cadavres. Ah oui, il y a tous les cadavres, en fait, j'ai rien dit. C'est pas dans ce chapitre où il y a qu'une partie des cadavres à examiner. Ah voilà, là, il le dit, le jeu le dit. Vu qu'ils sont immergés, c'est presque impossible. Voilà, de terminer l'âge et tout. Mais du coup, il me manque un cadavre quelque part. Je suis pas censé examiner un truc comme ça sur le sol, un machin comme ça. Où suis-je censé aller du coup? Là, dans le storage. Vous pouvez pas y aller avant. On va appeler ça le débarras. Sauf que le débarras n'est pas ouvert, visiblement. Je peux retourner là. Au pire, là j'ai le guide sous la main. Si j'ai besoin de chercher où
Oui, le cadavre qu'il me manque. J'ai tout ce qu'il faut. C'est pour ça que je vais regarder tout de suite, en fait. Donc il y en a une dans le storage. D'accord. Donc il faudra que je trouve comment on va dans le storage. Et je ne sais pas comment on y va. Ah ben comme ça en fait. Je regardais pas le jeu, je regardais le guide et quand je relève la tête, je vois qu'il y a mon cadavre juste devant moi. Voilà, Tag Collector, on a tous les cadavres. On peut faire gonfler notre ego numérique. Et en mettre plein la vue aux autres. 33. Peut-être le masterer ce soir. C'est un petit peu mon objectif. Je crois que là, il n'y a rien à examiner. C'est que des déchets. C'est bel et bien un débarras. Parce que là, on peut foncer. Je ne sais plus. Par contre, là, la musique, elle est bien. Et donc, j'ai mon Darkening qui monte à 100% dans la Death Room pour la mauvaise fin qu'il me manque. Ah. Allons-y. D'ailleurs. Qu'est-ce que je peux examiner hormis des cadavres? Le problème des cadavres, ça va me donner que 2%. Bon, eh bien, on est parti. Faut le monter à 100%. J'espère que ce soit maintenant qu'il faut le faire. Sinon on va bien perdre du temps. Ça va, ça monte vite quand même, avec le skip natif du jeu. Voir les effets de Darkening dans le champ de vision. Ah, alors. Non, j'ai eu un game over, donc c'était pas maintenant. Au moins, on le saura. C'est tellement rare d'avoir un game over dans ce jeu que quand j'ai joué à la version PC, j'ai raté cet achievement, avoir un game over. Par contre, je vois que pour la mauvaise fin numéro 2, a priori, j'ai manqué un truc. Alors, j'ai regardé, est-ce que je l'ai vu déjà? A priori, c'est dans Science Lab là, voici numéro 2, on peut plus y retourner. C'est ça, j'ai pas eu la numéro 2.
Donc, eh bien, on va recharger le chapitre. Heureusement que j'ai fait une autre sauvegarde. Heureusement. Je veux choisir des objets au pif dans le Science Lab. Eh bien, on va choisir des objets au pif. Ça, c'est un objet au pif. Heureusement, là, ça va, ça monte. Ça monte de 10%. Voilà. Ça, c'est fait. Le Darkening. J'ai laissé mon Darkening me posséder. Voilà, donc il n'en manque plus qu'une, a priori, c'est faire pareil, mais dans la Death Room, quand on pourra examiner le cabinet. Donc pas tout de suite, visiblement. C'est bien que j'ai fait une sauvegarde du coup. Donc nous, on va dans les toilettes des filles. Pour je ne sais plus quelle raison. Ah oui, parce qu'elle veut tout le temps pisser, c'est vrai. C'est la seule subtilité du cas dans tout le lore du jeu, c'est aller pisser. Et bon, maintenant on peut aller dans la Death Room. Ah, la Dissection Room, ils l'ont appelé Death Room dans ce jeu-là. Mais le vrai nom original, c'est Dissection Room. La pièce de dissection. La pièce du bon goût. Sauf que je ne peux pas examiner le cabinet. Pourquoi ? Oui, je suis allé. Je retourne à la piscine de cadavres avant, on dirait. Peut-être que j'ai fucké le truc en disant que je voulais me tenir, que je voulais faire stand firm. C'est pas grave, on rechargera la selle. Je retourne ici. Ouais, c'est ça, en fait, je suis allé trop loin dans le chapitre pour... peut-être avoir la mauvaise fin que je voulais. Parce que là c'est juste du dialogue, c'est de la ligne droite. Si j'avais pas dit stand firm, j'aurais pas eu cette petite photo. Là on va juste recharger Airbend la barrette. Ou le machin, là, j'ai oublié le nom. Le serre-tête. Ouais, le serre-tête. Le truc que tu mets autour de ta tête. Mais on va recharger la selle. Il faut que je la recharge depuis... depuis le moment où je prends la pièce en bois dans les toilettes des filles. Heureusement, j'ai fait une sauvegarde juste là. C'est très rapide. Hein. En fait, il y a juste à descendre et ensuite l'événement se trigger automatiquement et on passe dans les souterrains. Par contre, à aucun moment j'ai pu examiner le cabinet, c'est bizarre.
même quand j'ai été venu là, en exploration. Tiens, la musique est revenue. Je peux directement venir là. Donc une fois que j'ai ça, je dois sauvegarder. Au cas où, je vais sauvegarder là. Est-ce que je peux pas juste... Ah non, je suis considéré comme étant là-dedans déjà. Parce qu'on est d'accord, parce que si je vais là, ça va être fermé. C'est ouvert ? Ah, c'est ouvert. Ah, et là, je peux. Bon, on est parti. Il y a une clé ? Bon, vas-y, prends-la. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais prends-la. Pourquoi elle veut pas la prendre ? Ah non, d'accord, c'est parce qu'elle est enfermée, en fait, c'est ça. Elle se retrouve enfermée. Ouais, je comprends, je vois. Il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Voilà, parfait, on a fini le chapitre à 100%. On peut passer au chapitre 7, l'avant-dernier. Qui va être un peu long, mais avec le skip, ça devrait aller. Escape. Le numéro 36. On va faire un petit peu chier le PC parce qu'on va utiliser l'accélération matérielle de l'émulateur. Parce que ça, les interviews des Seiyuu, je ne peux pas les skipper avec le skip du jeu. Il m'en manque 4. Ben, celle du dernier chapitre, en fait. La LPC va pas aimer. Je suis en vitesse x5. Voilà, c'est bon, ça va pas durer trop longtemps, le PC, il va peut-être faire perdre une image ou deux. Enfin, beaucoup, beaucoup d'images. Mais ça va aller. Taos. Avant-dernier chapitre, et si tout va bien, on le platine après. Enfin, le platine, pardon, le Mastered. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises fins dans ce chapitre, il y en a quoi, 2-3? C'est pas des trucs compliqués à voir. Il y a plus du texte qu'autre chose dans ce chapitre. Et dans Blood Rage, le chapitre 8, c'est pareil. Il n'y a pas de mauvaise fin, c'est juste un chapitre. Avec un choix qui te fait tourner un petit peu en rond, mais c'est tout. Je peux les voir dans mes options. Et ça, il y a une mauvaise fin. Il est gratuit, ce chapitre. Enfin, gratuit, il y a quand même les name tags à trouver. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Parce qu'on va devoir fouiller chaque carré. Chaque carré possiblement fouillable. Jamais on revient ici, qu'il se passe quelque chose. Non, il se passe rien. Pas même un petit mot.
Le jeu qui gueule parce qu'on va pas dans le bon sens, littéralement. Il n'y a rien. Je crois que le jeu allait me regueuler dessus parce que je vais pas dans assez vite. Ça va être amusant. Il ne peut pas y en avoir beaucoup, les name tags, vu que c'est le dernier chapitre, il doit en rester quoi, une dizaine, peut-être même moins. Il faut juste se taper chaque foutu carré. Et ça, c'est pas très amusant. Surtout qu'il n'y a rien dans la plupart des carrés. Après ceux qui sont en plan fixe, ça va, j'ai juste à bouger du haut vers le bas. Et ceux où il faut aller à droite, à gauche, c'est un peu relou. Normalement, le science lab est fermé. Ouais, exactement, le jeu vient de nous dire qu'il était fermé. Et tant mieux. Alors normalement je sais où il faut que j'aille, c'est vers la sortie. Donc on va pas aller vers la sortie. Sinon je peux rater des choses. Le jeu a décidé que je m'étais pas trompé d'endroit. Alors c'est pas ça vraiment là, c'est pas vraiment l'endroit où je voulais aller. Là en fait j'ai déclenché la suite. Il fallait pas aller vers la sortie, il fallait aller vers l'infirmerie. On retourne ici. Parce que là je sais où il faut aller, il faut pas aller en haut. Faut pas aller voir les autres, pourquoi est-ce que les autres ont gueulé? Donc ça devrait le faire. Pas changer d'étage, en plus je crois qu'on peut même pas. Ce qu'il me dirait, il va me dire un truc genre oh, mais il faudrait peut-être aller voir ce que font les autres. Après si je peux changer d'étage. Ah si je peux. Ah, tant pour moi. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de fouiller tout ça maintenant? Non, on va s'occuper déjà du premier étage. Il me semblait vraiment que c'était vers l'exit qu'il fallait pas aller. Ah, j'aurais pu passer à côté de ça. Et de ça aussi. Ça le suivre. Ah, il y a un large trou dans le sol, parfait. Voilà qui réduit notre exploration et qui nous fait gagner du temps. Parce que c'est dire qu'il faut passer par l'autre côté. Ah, ouais, je voyais que mon écran devenait un petit peu rouge. On gagne du darkening. À force d'examiner, c'est moins ligne 2. Eh bien, on y retourne de l'autre côté.
est-ce que mon Darkening est monté tout seul? Est-ce qu'il monte tout seul au fil du temps? Non, j'ai dû examiner un truc qui m'en a donné. C'est bien, lui, il était sur les escaliers. Je crois pas qu'on puisse aller dans le second bâtiment, mais on sait jamais. Ouais, la porte est fermée. Dans le doute, je vais aller voir l'exit. Puisque maintenant, c'est définitivement plus l'endroit où il faut aller. C'est ça, la porte est fermée. Et il n'y avait strictement rien. Parfait. On va monter en haut. On va faire le plus gros. Ah, il y a un trou. Ou alors il fait trop sombre pour qu'on puisse voir. Parfait, ça réduit le temps d'exploration. On apprécie. On apprécie aussi que la musique revienne. Je t'ai vu, cadavre. Ah, il fait trop sombre. Ah, le jeu qui ne veut pas, strictement. Bien, allons vers là où nous sommes censés aller. Vers là, visiblement. Je vérifie que ce soit toujours grisé. Que des fois ça devient plus grisé, à ce moment-là ça veut dire qu'il faut que j'y retourne. Ah, ceci est une mauvaise fin. Parfait. On l'a regardé dans les yeux, il fallait pas. Ah là là. Le petit garçon. Qui fait 37. En plus, c'est la première, ça va, j'en ai pas manqué. Non, on s'en fout. C'est qu'un vieux fantôme, on s'en fout. On n'est pas là pour faire du tourisme. Je vérifiais que j'ai bien fouillé ces carrés-là. J'ai un doute. Mais si, j'avais même dit assez bien parce qu'on peut juste avoir besoin de, sur un plan fixe, de bouger la caméra que dans un sens. Je me rappelle. Du coup, c'est-à-dire que c'est fermé par là. Je dois aller vers le second bâtiment. Je sais plus où je dois aller. Est-ce que ça s'est fermé? On va chercher au hasard. On ira pas retrouver la solution. Là, elle va dire qu'il fait sombre. Non, j'ai juste pas le droit d'y aller. L'exit. Exactement.
un cristal pour bannir les fantômes. Du coup, je peux revenir là et bannir Yo. Sinon, j'aurais pu ne pas faire la mauvaise fin si j'étais venu là avant. On a failli passer à côté d'une mauvaise fin. Bêtement. Très bêtement. Les gamins. Voilà. Voilà, je laisse le jeu jouer à ça, jouer tout seul avec le skip. Arriver sur la mauvaise fin qu'il me manque. Je crois que c'est un truc dans le genre avec les amis. C'est peut-être ça. Dans le doute, on fait notre save. Choper le guide, hein, ça ira plus vite. Il y a combien de name tags à trouver? Il y en a 6. Ah, je crois que j'en ai raté une dans. J'ai vérifié, j'en ai raté une dans la première place, dans la première pièce du jeu. Enfin, pièce du chapitre. Je vais vérifier. Comment acheter au Trade School? Ah, c'est ça, j'avais raté au début. Je l'ai raté dans les toilettes. Ça va alors en rechargeant. Ah mais attends. Ai-je dit qu'il n'y avait qu'une mauvaise fin dans ce chapitre? Oui, on l'a vu. J'ai fait une sauvegarde ici, je vais me permettre de voir si je peux recharger le début du chapitre. Non, je peux pas. On va recharger le début du chapitre. Visiblement, j'ai trouvé tous les autres name tags, mais j'ai pas trouvé. Dans les toilettes, visiblement, il y avait un cadavre. J'ai été aveugle, man, je ne l'ai pas vu. De toute façon, j'ai fait une save là où je me suis arrêté, ça va, ça va, ça va. Personne va se plaindre. Vous n'avez pas intérêt. Quelques minutes de skip. Le choix importe peu en fait. Là, j'ai sauvegardé. Je viens de lire dans le guide. Le choix n'a strictement rien à voir. Bon, ici, j'ai raté un cadavre. Ah oui, là, punaise. Oh, je suis aveugle. Voilà. Tag order. J'ai pas fait bouger la caméra jusque là. Effectivement. Autant pour moi. 38. On y retourne. Maintenant c'est du skip. La dent. C'est elle, Tauth.
Betrayal. La trahison, si je me trompe pas. Ben, on est bon pour finir le jeu ce soir. Le truc rame et je peux pas le passer. Oh si! Il fallait que j'appuie sur option. Parfait. Je sais pas pourquoi l'opening, l'ending, tout rame, je ne sais pas. Il n'y a que le jeu qui ne rame pas. C'est moi qui ai mal paramétré RetroArch. Maintenant on va écouter les souffles testimonieuses. Il en manque toujours deux, celle de. Celle de Naomi et d'Ayumi, en fait. Là, je crois qu'on avait tout écouté. Il nous manque les Byakudan, en fait. PC va pas aimer. On l'avait écouté, celle de Nana ? Je m'en rappelle plus. Dans le doute. Elle parle beaucoup. Voilà, perte d'image, je l'avais dit. Ah, donc il en manque deux. Eh, on a failli oublier. C'est de là. Amy et... Comment elle s'appelle l'autre ? Mitsuki. Ah non, c'est Toko. Eight House, c'est le chapitre de Toko. Alors c'est peut-être elle qui parle beaucoup. On est bon pour faire Blood Drive. Et là, on y va, on trace. Parce qu'aucun des choix n'ont d'influence. On trace. Et je vais pas explorer tout le domaine Shinozaki. Je vais directement aller vers l'endroit où il faut aller. Rien à faire. J'ai déjà fait le jeu à 100% en 45 heures en traduisant tout. Ça va. Tiens, il y a une perte d'image. Pourtant, j'utilise le skip du jeu, pas l'émulation. Ah, cette musique. Il n'y a pas grand chose à examiner ici normalement. Tout examiné. Ça n'a aucune influence.
allons quand même tourner en rond dans les bois. Chapitre qui m'en fait une heure quand tu lis pas. Et que tu ne skippes pas, j'ai mis 4 heures à le faire. Ou 3h30. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Alors que là, on va le finir en claquant des doigts. Les toilettes, c'est évidemment le plus intéressant. C'est là que j'étais pas allé dans la version PC. Mais y'a rien. Y'a juste Ayumi qui gueule. Parce qu'elle ressent trop d'énergie. Et y'a un vieux, une vieille étagère qui est tombée sur le sol. Plus les portes. Voilà, en gros, y'a rien. Seule pièce que j'avais oubliée dans la version PC de Book of Shadows. Voilà, maintenant ce n'est plus oublié. Et la pièce avec le point d'interrogation, je pense que c'est la pièce en dessous, le souterrain. Là-haut. Aurais-je raté l'arbre familial? Non, il est là. Normalement, je vais avoir toutes les CG à la fin du jeu aussi, j'aurai le 100%. Le Book of Shadows, il est là. Voilà, c'est Skip, la magie de Skip. Il s'enjaille le bouquin. Voilà, Retribution. Fait 40.
faut que j'aille dans la galerie pour... pour avoir l'achievement du 100%. Ah, il me manque un truc. Il me manque une musique. Qu'est-ce qui me manque ? Je vois pas ce qui me manque. Oh, il manque un truc là. Je sais pas quelle image c'est. Tiens, c'est le seul truc qui me manque. Dans le chapitre avec Morishige. Voyons voir. Épisode 5. Alors, regarde ce que j'ai pu manquer dans le guide. Ce que j'ai manqué, un truc à la con en plus. Je vois pas quel CG j'ai manqué. Et qu'est-ce que j'ai pu manquer dans les musiques? C'est pas celle du Game Over cette fois que j'ai manqué. Struggling against fate. Quelle musique c'est ça? J'en ai aucune idée. Je vais chercher. Attendez, on va écouter les... Ça, est-ce que je suis censé en faire une ? On va prendre ça, on va faire ça. Non, pas ça. Mais si, bordel. Oh, ce truc, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement du premier coup.
Comment on repart? Je ne sais pas. Laissez-moi partir de ce truc. Comme ça. On va voir si je la tue, manette. Elle parle beaucoup. C'est elle qui parle le plus. Et j'ai pas eu le succès. Pourquoi ? Je crois que lui, je l'ai lu en faisant le skip. Alors, faut pas les lire. Non. Il va y avoir un que j'ai pas lu. Oh, c'est chiant les trucs comme ça. Alors soit je les ai pas tout écoutés, soit il faut écouter de musique en fait. Non. La page 12. Les CG, la CG qu'il me manque. Page 11. Ah, c'est qu'il faut refaire le chapitre avec la vraie fin. Heureusement que j'ai fait une save. D'accord, je vois. On va faire ça. Ça doit être la musique qui me manque du coup aussi. Le plus qu'on est censé faire ici. Ah, j'ai eu un couteau. Ah bah ça va en fait. Ah, du coup, je dois faire Don't Look Back. Non, Don't Look Back, au contraire. Voilà. Bon,
Donc du coup, j'avais une nouvelle CG que j'en avais pas. Complètement oublié qu'il fallait refaire le chapitre. Perso d'image. Mais bordel de PC. Voilà, anatomie connoisseur. Parce que j'ai eu toutes les CG. 41. Du coup, il doit juste manquer une musique. Sound from Hell, c'est celle-ci qu'il me manquait. Donc il y en a une que j'ai pas écoutée dans tout ce tas. Et je ne sais pas du tout qui c'est. Ce serait lui. Est-ce que ce serait Kizami? Non. Je vais directement voir sur Retro Achievement ce qu'il me manque en fait. C'est ça, je dois toutes les écouter. Mais j'ai déjà fait. Ah, il faut vraiment que je crée une conversation. Il faut qu'elle soit complète en fait. Déjà, on va réécouter tout le monde. On va faire comme ça pour voir. On va voir si ça fonctionne. Parce que je pense que la nuance, c'est qu'il faut qu'en fait j'ai 100% et que je les écoute. Et là, on va voir si je vais avoir l'achievement. Doucement, le skip. Voilà, il fallait les écouter une fois que tu as 100%. Maintenant, je vais juste créer du coup une conversation. J'imagine qu'il faut que j'en crée une entière en fait. Pas juste deux personnes qui parlent en même temps. Si, bordel, ce truc. Oh, ce truc. On va mettre n'importe qui. Voilà, hop. Je mets les trucs au hasard.
Voilà. C'est bon, speaking with ghost. Et le Master Hud en 2h51. Oui, avec le skip. Bien, on a Master Hud le jeu. Voilà. Comment on quitte ce truc déjà? Comme ça. Plus jamais. Tout ce que j'ai à dire, plus jamais. Le jeu il est bien, mais plus jamais. Du coup, bah, bonne nuit, Cobal, et la prochaine fois, du coup, on fera du Date Simulator d'Evangelion. Aussi en Retro Achievement, mais pas avec RetroArch parce que le jeu rame comme pas possible. Du coup, je le ferai sur l'émulateur PSP normal. Et de mon côté, je le ferai sur Retro Achievement avec le skip. Avec l'émulation. Enfin, avec le skip de l'accélération matérielle. Le jeu n'a pas de skip, je crois. J'ai réussi à choper la fantrad en anglais. Il y a même une fantrad pour un autre jeu de l'univers d'Evangelion. Un jeu de typing, c'est-à-dire tu apprends à écrire avec un clavier. Il y a une fanpad qui est sortie l'année passée. Je l'ai chopé en voyant que ça existait. Ça m'amuse ce genre de truc. Voilà, et demain on continue sur Art Online Fatal Bullet en espérant le terminer. Comme ça, mardi on passe au DLC. Mercredi, c'est la première session de New Game Plus de Tales of Vesperia. Jeudi, 4 événementiels de Genshin à faire, j'en ai 2. Vendredi, on finit les succès. Pardon, on finit les succès du DLC d'Horizon 1. Il m'en manque 2. Finir toutes les quêtes. Et oui, finir toutes les quêtes et passer niveau 60. Je me suis remis en mode histoire. J'ai fait un nouveau chargement à partir d'un new game, d'une partie finie pour faire une nouvelle partie plus. Vu que le DLC tu y accèdes dès le début du jeu, on va foncer vers le DLC. Je vais faire les quêtes que j'ai pas réussi à faire d'ultra difficile. Il y en a 2. La zone de chasse à fond et le défi de la zone de chasse. Je vais le faire en mode histoire comme ça, je serai tranquille. Et samedi on continue la quête principale de Sumeru. Voilà.